Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Orc Quest. Donc alors, Orc Quest, un jeu de mass game, de 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus pour des parties d'à peu près 20 minutes, une demi-heure. Je pense selon le nombre d'extensions qu'on utilise, ça doit encore augmenter. Et donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui est un petit peu stretch goal. Donc tout ça, c'était... ça, c'est les stretch goals. Bon, les dés, bon, on va les montrer, on va commencer par ça, allez. Ça va être rapide. C'est les mêmes que dans la boîte. Je me suis dit que 6, c'était pas assez. Donc, rajouter encore 6 dés supplémentaires, comme on doit faire des relances, etc. Bah, ça peut être sympa, comme on peut demander aux autres de nous aider. Et quelquefois, il y a des défis avec directement 2 dés jaunes. Voilà, comme ça, 4 dés jaunes, c'est pas plus mal. Voilà pour la première, c'est rapide. On va regarder un petit peu ce tapis de jeu. Alors, en tout cas, il est bien emballé. Justement, je me demandais s'il allait être roulé, etc. C'est le premier tapis de jeu que je vais avoir. Donc je me demande si, voilà, est-ce que plié, est-ce qu'il va bien se mettre à plat par la suite. Alors, comment est-ce que ça s'ouvre? Voilà. Hop. Il est vraiment super, en tout cas super joli. Vraiment nickel. Je sais pas si on peut donner un petit coup de fer qu'il soit bien plat et après acheter des rouleaux pour qu'il soit bien à plat, mais il est vraiment super joli. Bon, il sent pas bon forcément, il est vraiment nickel. Voilà, bon, hop, je vais même le laisser. Parce que ça colle un petit peu au tapis vert du bureau. Et il nous reste donc 2 extensions, donc les barbares et les bonus KS. On va commencer par le plus petit, les barbares. Donc illustré par Daniel Zrom. En tout cas, super format. Je crois que ça fait bien, ça se range bien, etc. C'est pas mal de les avoir fait comme ça. Une petite règle qui rappelle les règles pour les barbares. Donc sacrifice. Lorsque vous engagez 7 bastons, pour chaque point de vie défaussé, vous pouvez forcer un autre joueur à y participer. Donc là, c'est le petit symbole avec une dague dedans. Chaque participant doit utiliser uniquement 2 dés de la couleur correspondante. Les babioles magiques, coup bas et compétences de héros sont permises. Et tous les participants au défi sont affectés. Donc, le petit nouveau symbole. Avec l'éclair, le trou noir avec l'éclair. Et là voilà, donc on a le jeune loup. Donc, c'est vrai qu'il faut avec 2 dés faire 3 réussites. C'est quand même pas mal, on a intérêt à avoir un bon petit coup de main. Encore un jeune loup. Beaucoup de jeunes loups. Le berserker. Trois réussites avec des jeunes. Si on perd 3 points de vie. Okay, devant le dessin. Je crois que c'est ce barbare-là sur le YouTube de Zrom qui est en train d'être dessiné. Et c'est vraiment impressionnant pour ceux qui connaissent pas. Je pense que je l'ai en like où je suis abonné à sa chaîne. Il n'y a pas grand-chose malheureusement. Mais il y a au moins ce dessin-là qui commence à être colorié. Et c'est impressionnant la maîtrise qu'il a. Moi j'en serais incapable. Enfin bref. Un ogre.
4 réussites, fusion. Et le roi barbare, 3 réussites avec un dé rouge et un dé jaune, c'est déjà assez compliqué quand même. Bon, 12 points. Et on a alors, après chope la princesse, on a chope la valkyrie. 2 réussites avec un dé rouge. Ça va saigner, donc ça c'est des cartes, je pense qu'on retrouve déjà dans le jeu de base. Et encore un, ça va saigner. Ouais, de bien jolies cartes, bien sympa, un bon petit système de jeu en plus. Et après, donc, il nous reste quand même un beau paquet, je vais y arriver, de cartes en bonus. Allez, je suis sûr qu'il y avait encore une ouverture facile. Eh oui. Vraiment, j'aime pas les ouvertures faciles. Donc là, on va avoir trouvé les nouveaux héros du Kickstarter. Alors, je sais pas s'ils sont tous rangés ensemble ou pas, on va voir. Donc, 8 points de vue, on a Hogan, un mercenaire orc. Une fois par partie, Hogan peut doubler le nombre de dés de base pour jouer une baston. Ça peut être bien contre les barbares. Terios, un minote orc, 9 points de vie. Une fois par partie, Terios peut engager deux bastons durant son tour. Ouais, il est quand même bien costaud. Après, on a Gobnan, le brut gobelin. Donc qui est tiré, je pense, un crossover de Gob's Hero, je pense. 8 points de vie. Une fois par partie, Gobnan peut récupérer une baston qui vient d'être défaussée et la jouer immédiatement avec un des verres supplémentaires. Morgda, chaman amazorque. Donc de forteresse pour un crossover de forteresse et clan. 7 points de vie. Une fois par partie, Morgda peut annuler une babiole magique jouée et la récupérer dans sa main. Hamza, chasseur orc, 7 points de vie. Une fois par partie, Hamza peut récupérer le dernier piège défaussé et forcer un autre joueur à l'engager immédiatement. Et la célèbre Marides, prêtresse amazorque, 8 points de vie. Bon, graphiquement, on voit que c'est du Palo Parente. Je ne sais pas pourquoi. Une fois par partie, Marides peut participer au défi d'un autre joueur. En cas de succès, elle vole le gain. Bien sympathique. Vraiment bien, bien, bien sympathique. Et après, alors, on va voir ce que c'est à peu près. Alors, on a du chope la poulette, chope la poulette, chope la biquette. Donc, des cartes qu'on retrouve, je pense, dans le jeu de base aussi. Chope la vachette. Ça, c'est nouveau. Le coq de combat. Ah d'accord, donc si on peut gagner des points de vie, mais si on perd, on peut en perdre. Alors ça, c'est pas mal. Des nouveaux objets. Épices magiques du mage bizarre. Rajouter 2 cœurs sur une capture réussite. D'accord. Donc là, celle-là, ça la ferait passer à 5. Donc la même chose. Gilet de la biquette dorée. Annuler des dégâts qui provoqueraient la mort. Donc ça, faut vraiment la garder au bon moment. Le biniou de Chimera.
récupérer une capture dans la défausse. Ça, c'est pas mal aussi. Baguette, doudou ou dodo. Relancer les réussites d'un autre joueur. Ça, c'est vraiment pour foutre le bras. Alors, du ça va saigner, ça va saigner. Ça, on connaît. C'est bon, vas-y. Ça, pareil. On connaît aussi. Il t'a traité de pareil. J'en reviens, mais graphiquement, c'est vraiment super joli. Vraiment un super style. Et c'est pour voir. Par ici, la monnaie. Donc, ça, c'est des cartes. J'attends le jeu de base. Pousse-toi de là. Ça, c'est pour moi. On sait qu'il bosse. Pareil. Oh, une fée. Va voir ailleurs. Donc ça doit être nouveau, il me semble, ça me dit rien. Annuler un coup bas. Ça peut être pas mal. C'est vrai que... Ah, il y en a que deux. Tu m'en dois une. Obliger un autre joueur à jouer un défi à votre place en cas de succès. Voler un de ses gains au hasard. Donc c'est bien, là c'est un défi, c'est pas forcément une carte rouge ou un piège, etc. C'est vraiment n'importe quoi. C'est qui le meilleur? Jouer un tour de plus que les autres à la fin de la phase finale. Alors, on a ça, donc ça va être pour les nouvelles cartes, pour un peu les hommes rats. Quelle poisse! Dès qu'un joueur engage n'importe quelle carte défi, baston, piège ou capture, ou trésor, placez cette carte par-dessus. Le joueur doit jouer cette carte. En cas de réussite, il empoche le gain de cette carte et peut jouer la carte initialement engagée. En cas d'échec, les deux cartes sont défaussées en appliquant les effets d'échec de cette carte uniquement. Et avec la cloche, seule la carte rat avec une cloche peut être utilisée sur une carte cloche. Attention aux doigts. Cette carte peut être placée sur la pioche à n'importe quel moment. Ce défi doit absolument être réussi pour pouvoir piocher. En cas d'échec, elle n'est pas défaussée mais reste sur la pioche. Une seule carte, donc piège comme ça, peut être placée sur la pioche. Les rats peuvent être également jouer en tant que simple carte défi pendant votre tour. Donc encore un petit système de jeu bien sympathique. Donc on retrouve le pouilleux. Des réussites, enfin 2 dés verts pour une réussite, 0 en gain, si on perd un point de vie. Racaille. Les beaux hommes rats, en tout cas, c'est vraiment super joli. Le rabougri. Forcément. Le piège à rat. Il fait perdre des cartes, une carte et 2 points de vie si on réussit pas. La nuée de rats. 2 cartes et 1 point de vie qu'on perd. Encore des règles. Ça va être compliqué. Hein. Pfiou, on va faire des résumés à force. Donc, une nouvelle icône. Empêtrée. En cas d'échec, placez cette carte sur votre carte héros. Votre tour se termine. À votre prochain tour, piochez, puis lancez le dé correspondant pour un succès. En cas de réussite, défaussez cette carte et jouez normalement.
En cas d'échec, votre tour se termine automatiquement, sans autre effet. Au second tour, où vous êtes empêtré, lancez 2 dés correspondants pour un succès et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez réussi à défausser cet effet. Tant que vous subissez cet effet, vous ne pouvez rien faire d'autre, ni même utiliser votre compétence. C'est pas mal. C'est pas mal. Encore un petit système de jeu en plus. Alors, bon, on peut affronter Hamza. Il nous fait gagner, je pense. Alors, vous ne pouvez engager Hamza qu'après avoir réussi un piège durant ce tour. Il nous fait gagner une carte en plus. Tentacule, donc voilà un piège. Si on réussit, on gagne un point de vie et deux, sinon on perd une carte et on perd un point de vie. Le gob-gob, graphiquement c'est super. J'ai hâte vraiment, franchement j'ai hâte de voir le jeu de plateau. S'ils reprennent toutes les illustrations, tous les pièges, etc., je sais pas comment ça va être encore, mais j'ai bien hâte de le voir. Donc, 2 dés jaunes, 2 réussites, 2 cœurs et 3 points, dont une carte et 2 cœurs. L'arbre maudit. Le mâche-molé. Sympathique. Augmenter de 1 indice la réussite d'un piège. De 1 indice, oui. Hogan. Hogan inflige 2 dés blessures à celui qui la joue, qui le joue. Il est sympa comme monstre. Il est sympathique. Terios. En cas d'échec, tous les participants subissent les blessures de Terios. Ok. C'est bien de les avoir mis en plus ou moins en monstre et en héros. Alors, est-ce que si on met un héros, est-ce qu'on peut le mettre en monstre aussi? Gobnan. En cas de jet plus facile ou plus difficile, l'indice de réussite de Gobnan passe à 2. Ok, d'accord, sympa. Morgda. En cas de réussite, récupérez la dernière babiole magique défaussée. Et affrontez Marides. Aucun autre joueur ne peut participer à cette baston. Ok. Pour les jaunes, ça devrait encore aller. Et on retrouve après des nouveaux pièges encore. Embuscade. Perdre 3 cartes gain. Pfiou. Le mimique peut remplacer et défausser un trésor engagé. Pour 7. Le bouclier de nos bobos annule les effets d'une baston ratée et récupérez-la dans votre main. Ça peut être pas mal. Le sceptre du destin. Piochez 3 cartes, défaussez de votre main. Alors piochez 3 cartes et défaussez de votre main autant de cartes que vous le voulez. Ouais. L'armure de Temor. Redirigez les dégâts d'une baston que vous venez de jouer vers un autre joueur. Ok, c'est bien, si tu prends. C'est pas mal. L'Orcalibur. Ajouter 2 réussites lors d'une baston. Et on retrouve avec le coffre runique. Ne peut être volé et inflige 2 dégâts au voleur. C'est pas mal. Et Chope la paysanne peut
défausser et remplacer chope la princesse. Ouais, bon, je préfère la princesse allègrement. Ben voilà, donc j'ai fait le tour des cartes du... Enfin, des stretch goals du Kickstarter. Donc pas mal de nouvelles cartes. Enfin, limite, il y a autant de cartes, je crois, que dans le jeu. Donc ça a un peu doublé. Ce qu'il va falloir que je fasse, parce que j'ai slivé les cartes du jeu de base. Alors avec les sleeves, ça glisse bien. Ça glisse un petit peu, donc ça a tendance à partir et à s'écrouler. Donc il va falloir que je me fasse une petite tour pour maintenir tout ça. Donc sur cette belle carte que je vais sliver encore, c'est encore pour un petit bout de temps, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!